The President, please be seated. Mesdames et Messieurs, veuillez the vous asseoir. Court is now back in session. Nous reprenons l'audience. Next, we would like to invite Nous souhaitons the greffier, à présent, inviter to read Madame Sakobuti, la greffière, the statement or the testimony of Mr. Nguyen du procès-verbal d'audition du témoin NMN. C'est une déposition figurant à la The greffier, the office of the co-investigating judges, criminal case d'instruction, dossier pénal, 14/08/2006, investigation number 001/18/07, procès verbal d'audition de témoins, l'an 2007, mois de novembre, le premier, à 9h du matin, aux chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. We, Sim Soria and Fabien Lucot, investigator of the enquêteurs extraordinary des chambres extraordinaires being assigned désignés by rogatory par la commission rogatoire of the des co-juges d'instruction en date du 5 October 2007. Vu la loi sur la création des chambres extraordinaires du 27 octobre 2004, Noting rules vu les règles 24, 28 et 60 du règlement intérieur des chambres extraordinaires. Avec la présence de M. Heng Ham Kang, interprète assermenté des chambres extraordinaires. Avons pris note de la déposition de Nam Heng. Who provided témoin the following fournissant information des informations dont identity. L'identité est la suivante. Last name, Nyam, non, first name, Nen. Ain. Ne. Revolutionary name, Nan. Non, born on the 9th of November 1959 village. Au village de Trapean Meas. De nationalité cambodgienne. This person declared that he could L'intéressé read, a déclaré write, and qu'il understand sait the Khmer lire, écrire et comprendre la langue This person Khmer. Declared that he could L'intéressé read and a déclaré write qu'il ne sait ni lire ni he écrire could not read any aucune other langue étrangère. Therefore, the original of this written record Par conséquent, l'original de ce procès-verbal est écrit en Khmer. We advise this person that Nous avons the déjà informé this being l'intéressé audio que l'audition est enregistrée en audiovisuel. This person told us that l'intéressé nous a informé no qu'il n'avait pas de relation avec la personne this mise en examen took et an oath avec in les plaignants de partie civile. L'intéressé a prêté serment conformément à la règle 24 du règlement intérieur des chambres extraordinaires. Nous avons informé l'intéressé de son droit de ne pas témoigner contre lui-même conformément à la règle 28 du règlement intérieur des chambres extraordinaires. Question. Et answer. Question-réponse. Question. Would you like to describe your background Question. Before you Parlez-nous arrived at de S21, votre vie avant votre arrivée à Response. I would like to tell you that Réponse. I will talk about the period from je the 17th of April 1975 onwards, which was the time de la période after the Cambodian front defeated Lon Nol. Le 17 avril, après le fond du Cambodia, a vaincu Lon Nol. Moi, en ma qualité d'enfant d'avant-garde du district de Kampong Len, secteur 31, j'ai été sélectionné par l'organisation du fait que j'étais quelqu'un de studio dans le travail. À l'époque, l'organisation ANCA avait sélectionné 7 enfants par commune. En tout, environ un millier d'enfants ont été sélectionnés par Ankar. Later, Ankar sent Après, us to stay at Lankar a five-story house near Kampong Chenang Airport. Gardé dans It was la in maison April. Au cinquième étage à côté de l'aéroport de Kampong Chenang. C'était au mois d'avril. J'avais vu aussi, j'ai vu aussi la population évacuée de Phnom Penh le long Question. De la route de Kampong Chenang. Did you say Kampong Question. Chenang Vous parlez de l'aéroport de Kampong Chenang? Response. It was an old airport. C'était un ancien aéroport. J'y ai séjourné là jusqu'au mois de mai ou juin 1975. Ensuite, l'Ankar m'a envoyé à Phnom Penh en GMC américain.
Camion, j'aime ça, américain, reprend l'interprète. À ce moment-là, il y avait 10 camions. Comme le long de la route, les ponts ont été coupés à plusieurs endroits, le voyage a pris toute la nuit avant d'arriver à Phnom Penh. Question. How old were you at that time? Question. À l'époque, vous aviez quel âge? Réponse. I was 16 or 17 years old. J'avais entre 16 et 17 ans. Later on, in Phnom Penh, une fois arrivé à Phnom Penh, Lankar m'a logé, m'a envoyé pour être logé à Bang Tom Pon, en face de l'hôpital russe. Who accompanied you to Phnom Question. Qui vous a accompagné à Phnom Penh? Response. I don't Réponse. Remember. Je ne m'en souviens pas. Peut-être il s'agissait du secrétaire du secteur ou du secteur du district qui avait reçu l'ordre de Lankar de sélectionner des enfants de qualité pour être envoyés à Phnom Penh. À Bang Tom Pon, je n'avais rien à faire. On nous logeait dans des maisons restantes de l'ancien régime. Et j'estime que je suis arrivé vers le mois de juin ou juillet 1975. I would like to also Je specify that regarding the recruitment of the children, if there was not an order from the party, it could not happen. Comité, s'il n'y avait pas eu un ordre du comité central du parti, cette sélection des enfants n'aurait pu être effectuée. Question, quel était le numéro de secteur? Réponse, je l'ai oublié, j'avais quitté Bang Tom Pon et Lankar m'a envoyé à Takmao, à Trampong Ha, le long de la rivière de Preknot, où j'ai suivi un entraînement en technique militaire. Question, à l'époque, qui était le chef à Takmao? Réponse. À l'époque, nous avions le chef de l'état-major. Je ne connais pas son nom, mais il y avait Nat et Pin. Pin était le chef de la 703e division en charge des techniques militaires. Question. À quel genre de technique vous entraînez-vous? Réponse. On enseignait les techniques militaires, c'est-à-dire les techniques des fonds de bataille, de tout genre, les techniques de l'infanterie, de l'armée de l'air, de tout type Question. De champ de bataille. What did they call Takmao at that time? Takmao, ça correspondait quoi à quoi à l'époque? Response. At that time, it was behind the psychiatric hospital. Réponse. À l'époque, ça se trouvait derrière l'hôpital psychiatrique, le long de la rivière de Preknot. Was there any other kind of training Question. In that place besides technical de l'école d'entraînement technique militaire, qu'enseignait-on? Response. Réponse. No, there was no other training. Rien, il n'y avait pas d'autre entraînement. Mais si les enfants ne travaillaient pas assez, on leur faisait faire la rivière. Certains autres, on les envoyait à l'usine, certains dans les unités militaires. À l'époque, il y avait 50-60 enfants dont la biographie avait fait l'objet d'un examen, on les avait envoyés ultérieurement, les a ultérieurement envoyés en Chine. Question, donc tous ces 50 enfants sont allés en Chine ou êtes-vous allé en Chine tout seul? Réponse à l'époque. 46 enfants sont allés en Chine. Lankar nous a par ailleurs prodigué une instruction, nous a fait passer un examen médical avant de nous envoyer à Kampong Saum pour prendre le bateau pour aller en Chine. Question, avant d'aller en Chine, qui vous avez formé? Réponse. Tous les formateurs étaient Khmer, il n'y avait aucun étranger. Question. Did they tell you what you were being trained for that Pendant, for at that time of the training? Vous a-t-on dit quel était l'objectif de la formation? Réponse en termes simples, c'était un entraînement, une formation militaire. L'objectif principal de Lankar était de défendre le territoire, la société. On nous donnait aussi des instructions, c'est ce qu'on nous a dit. Question. Pendant la formation, vous a-t-on dit vous a-t-on dit des choses comme c'était pour combattre contre le Vietnam? Réponse à l'époque. On n'a pas parlé de ça. L'essentiel était de consolider la conscience, l'esprit, la morale pour défendre l'intégrité territoriale. Question. Pendant l'entraînement à Takmao, vous a-t-on parlé des ennemis de la révolution? Réponse. At that time, à l'époque, for our education, we didn't study anything il n'y avait rien de cela dans l'éducation. Dans la formation, l'essentiel était l'entraînement en technique de défense des frontières, de notre sol, contre les impérialistes. Question. Pendant l'entraînement à Takmao, avez-vous reçu la visite de personnalités de l'échelon supérieur? Réponse. En ce qui concerne l'échelon supérieur, je n'ai vu que Nat et Sun Sen. Question. Lorsque Sun Sen a rendu visite
His advice was that children should try very hard to learn réponse. All techniques so il that a they would que les become leading des children. Tous les efforts possibles pour étudier les techniques, pour devenir des enfants de l'avant-garde. You talked about Central Committee. Question, did you know about it since that time or only later on? Vous avez parlé du comité central, c'est quelque chose que vous saviez à l'époque time, ou que vous avez appris par la suite? Réponse, à l'époque, j'avais entendu parler du comité central du parti pendant la réunion. Question, à quel moment êtes-vous arrivé en Chine? Réponse. I don't know. Je ne sais the pas. Month or the day. I knew that I traveled quel mois by ship c'était ou quel jour and then c'était. By car. Tout ce que je sais, c'est que j'ai voyagé after en bateau puis China, en voiture. Une fois arrivé en Chine, on a essayé de nous tester en nous faisant coucher dans bed. Un petit lit. They did that in order to see whether pour savoir we were si well-behaved les enfants étaient or not. Bien éduqués ou non. They had us prepare and fold our blankets by ourselves so that they could see whether we were serious or si not. Nous I was sérieux ranked first ou non, rigoureux ou non. For good morale behavior. À l'époque, moi, j'étais le premier en pliage de la couverture. En un mot, du côté moral, j'étais le premier. Nous avons commencé à apprendre, à faire des photos générales, à tourner des films de cinéma, à projeter des films, à dessiner des cartes, à développer des photos. Tout ceci se faisait au cours d'une période de, s'est fait au cours d'une période de 6 mois. Question, qui étaient les instructeurs? Réponse, c'était des Chinois, mais ils parlaient Khmer. Et pour certains, il y avait un interprète. Question. How long was the training? Question. Response, vous avez étudié pendant combien de temps? For all subjects. Réponse. 6 mois question, en tout pour l'ensemble des matières. Beijing? Question. Étiez-vous à Pékin? I don't réponse. Know. Je ne savais pas. They only said je ne sais pas. China, tout ce que je savais, c'est que c'était en Chine. Beijing. Mais je savais que si c'était, je ne savais pas si c'était à Beijing, how many à Pékin. People had gone to study photography question. With you? Combien y avait-il d'enfants qui apprenaient response, la photographie avec vous? At first, we traveled all together. Réponse. À l'époque. C'était un voyage de groupe. But after we arrived in China, mais une fois arrivés en Chine, on nous a séparés and sent us to our respective places. Et nous ont envoyés à étudier nos différentes matières. Certains ont étudié la chimie, d'autres la navigation, la biographie, et moi seul j'ai étudié la photographie. Question, who worked as the translator question from Khmer qui était l'interprète du Khmer en chinois et du chinois en Khmer? Réponse, les interprètes étaient des Cambodgiens, mais certains Chinois connaissaient aussi le Khmer. Question. Parmi les étudiants, y avait-il d'autres nationalités représentées? Réponse. Non. Il n'y avait que moi. Question. Pour ce qui est des cadres Khmer, qui vous accompagnait en Chine? Réponse. Nat nous a accompagnés en Chine, mais il n'a pas voyagé en bateau. Je l'ai rencontré une fois en Chine. Question. Qui était Nat? Réponse. Nat était de la 703e division. Question. Also go to China? Tanat est-il aussi response. Allé en Chine? Yes. Réponse oui. At that time, à l'époque, he was the chief of general staff, c'était just le chef de l'état-major juste en dessous de Sun Sen. Question. Question. Does quand vous êtes arrivé en Chine, il était déjà là? Ce qui veut dire qu'en janvier 76, Nat était déjà response. En Chine? Yes. Réponse oui. He was an important c'était un personnage in important. He was the dans former chief l'organisation of de l'armée. 12. C'était l'ancien chef de la 12e division. Question. Did you know when Tan Nat returned to Cambodia? Saviez-vous quand Nat est response. Revenu au Cambodge? Réponse. He returned at the same il est revenu time en même temps me, que moi. But I didn't take mais the je plane. N'ai pas pris l'avion. Question. Question. At that time, à l'époque, did Tan Nat introduce you to any Nat Chinese cadres or institutions? Fait rencontrer des cadres, certains cadres response. Ou certaines institutions no. chinoises. The important thing was that réponse, non. Instructed us to study c'est important, c'est qu'il nous a conseillé de faire des efforts pour étudier d'arrache-pied et de ne rien négliger. I met the Chinese j'ai rencontré Mr. l'ambassadeur chinois, Monsieur Sun Hao, une fois au Cambodge et une autre fois en Chine. Question. What was his purpose in the meeting? You. Quel était l'objectif response. De cette rencontre? In 1976, he met us to réponse. Praise us. Il nous as a rencontrés en 76 pour féliciter les enfants de l'avant-garde et les bons at enfants. Time, à l'époque, they gave me a medal ils m'ont donné une médaille Mao avec middle, une effigie de Mao,
le président. Question. Mais je l'ai perdu. When did you return to Cambodia? Question. Quand êtes-vous retourné au Cambodge? After I arrived in Phnom Penh. Réponse. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, je n'ai pas travaillé tout de suite des intérêts. J'étais au bureau de l'état général, de l'état-major à Phnom Penh. Mon rôle était de faire des photographies. Je suis arrivé vers la fin de 76 ou au début 77. Question. Lors de la visite de Sun Hao, pendant vos études, y avait-il des cadres cambodgiens qui l'accompagnaient? Réponse. La délégation cambodgienne comptait des, effectivement, était composée de plusieurs personnes. Je ne me souviens pas, mais j'ai encore la photo. Question. Vous avez dit que vous avez la photo de l'époque. Pourriez-vous nous faire voir cette photo? Réponse. Je ne l'ai pas amené avec moi maintenant. Je ne l'ai pas apporté avec moi. J'ai pris seulement le cahier que j'ai étudié en Chine et les photos prises quand j'ai étudié en Chine. Question. Pouvez-vous pouvons-nous vous demander de faire une photocopie de ce document? Réponse. Si le tribunal en a besoin, je ne dis pas non, mais je vais le faire. Et question. Si vous me le demandez, je le ferai pour vous. Question, vous avez dit que vous avez toujours les photos de la délégation que vous avez rencontrée en Chine. Réponse, non, je n'ai pas ces photos. Je n'ai que la photo de Tanad. J'ai 2000 photos. Question, what did you do after you arrived in Cambodia? Qu'avez-vous fait une fois arrivé au Cambodge? I stayed at the general staff in Phnom Penh. J'étais à l'état-major à Phnom Penh, à l'hôpital Monivong. Question. At that time, what did they use Monivong Hospital for? L'hôpital de Monivong était utilisé à quelle fin? Réponse. À l'époque, on l'appelait l'hôpital P98. C'était un hôpital pour l'état-major de l'armée. Question. Question. What did you do in that hospital? Que faisiez-vous dans cet hôpital? Response. I did not stay in the hospital, but I had the place near it. Je n'ai pas séjourné à l'hôpital, mais j'étais à côté de l'hôpital. Question. Que faisiez-vous à côté de l'hôpital? Réponse. À l'époque, j'ai commencé à travailler à l'imprimerie pour publier des journaux et les revues. Question. Qui était votre chef à l'époque? Réponse. J'en avais deux. L'un s'appelait Pang. C'était un agent spécial de Pol Pot. Il y en avait un autre qui s'appelait Nguyen. Celui-ci était, était un proche de Sun Sen, mais actuellement je ne sais plus où ils sont allés et ce qu'ils sont devenus. Question, quel était le rôle de Nguyen? According to Angkar, they called him city messenger. D'après l'Angkar, c'était le messager de la ville. What was the work of the city Question, messenger? Quel était le rôle du messager de la ville? Response. Réponse. If we compare that to the structure si of the current government, it is like actuel, being Hing Bun-hing, si the chief of the bodyguard unit for Hun Sen. Actuellement chef des Question. Gardes du corps de Hun Sen. Was Pang a city messenger Question. Est-ce que Pang like était aussi un messager de la ville comme Nguyen? Réponse. Those were special people C'était of Angkar, là des agents spéciaux de l'Angkar, mais à l'époque Pang était plus haut placé Pang's que Nguyen. Were the one who Pang saved my life so that I can live until today. M'a sauvé la vie. September 1970. À l'époque, c'est en septembre, le Parti communiste du Cambodgia avait informé le monde de son existence. Question, what did you do then? Question. Qu'avez-vous donc fait? Réponse. Ma mission était de prendre des photos pendant les réunions des dirigeants, des réunions de l'Assemblée, des réunions de l'armée et lorsqu'il y avait des délégations étrangères en visite au pays. Question. J'étais le photographe. Question. Êtes-vous sorti en dehors de Phnom Penh pour prendre les photos? Réponse. Je suis aussi parti faire de la photographie dans les zones. Je me suis principalement rendu dans les zones sud-ouest, nord-ouest, nord et ouest. Question. Quel genre de photos preniez-vous et qu'avez-vous vu? Réponse. J'ai pris les photos des dirigeants en visite au chantier de construction des digues, des canaux, pour voir quel était, où en étaient les travaux, quel était l'avancement des travaux. Question. Parmi les dirigeants, qui aviez-vous l'habitude d'accompagner? Réponse. Pol Pot, Nguyen Chia, Sun Sen, parfois il y avait également Kyo Sampan et parfois il y avait des rencontres avec les responsables du comité zone comme Tamok. Question. Quand avez-vous rencontré Nguyen Chia? Lorsque vous faisiez des photos dans quelle province? Réponse. J'ai photographié Nguyen Chia lorsqu'il visitait des canaux, des digues dans la zone sud-ouest, aux environs de 1977.
And where did Question. You meet with Kyo Sampan? Quant à Kyo Sampan, vous l'avez rencontré à quel endroit? He rarely went to réponse, the countryside. Il se rendait rarement à la campagne parce qu'il travaillait delegation. Avec les délégations d'État. Saw him Je l'ai rarement vu aller à la campagne. So did you take Question. A photo of vous avez, Kyo photographié, Sampan vous avez photographié Kyo Sampan à Phnom Penh? Response. I took réponse. The photos of him twice. Once J'ai at the pris Borei les photos Kaila de deux occasions, une fois à la cité sportive Borei Kaila, au stade de Borei Kaila, et une autre fois à l'auditorium de Chak Tomuk. What year did you take Question. The photo at Borei Kaila and what event was it? Ces photos à Borei Kaila et à quelle occasion? Réponse. Il me semble que c'était pendant la commémoration du 17 avril ou l'anniversaire du parti. Réponse. Question. Did you ever meet Kyo Sampan in the provinces Avez-vous rencontré Kyo Sampan en Provence et l'y avez-vous photographié? Yes, I did. Réponse. I took so oui, many photos of state leaders. J'ai pris tant de tellement photos des dirigeants dans tout le pays. Question. Response. Vous souvenez-vous de quelle province dont il s'agit de la province en question? Réponse. À l'époque, il y avait une réunion spéciale à Koh Tom. Il y avait une photo dans laquelle Kyo Sampan était debout et Yen Sari était en position assise. Question. Il y avait une caméra en arrière-plan pour faire des films. Question. Il s'agissait de quelle cérémonie qui s'est déroulée à Koh Tom? Réponse. C'était à la coopérative en 67 au début 78. À l'époque, je travaillais aussi à Dulslang. Mais quand j'étais libre, après mon travail à Dulslang, on m'invitait parfois à photographier les délégations chinoises lorsqu'elles étaient en visite. Question. En quelle année avez-vous photographié, avez-vous pris des photos au stade de Borei Kaila? Réponse en 77. Question. What year did you take photos at Chak Tomuk? En quelle année avez-vous pris des photos à Chak Tomuk et en quelle occasion? Response. Réponse. At that time, it was maybe the event à l'époque, il s'agissait de la proclamation du comité sure. du chef d'État, ou je ne sais pas. The event in the j'ai oublié d'événements en question, ou ce qui s'est passé Besides cette année-là. The senior leader, Question. À part les hauts dirigeants, did you ever take any photos qui d'autre of anyone avez-vous photographié such as Yeng Sari and Yeng Par exemple, Yeng Sari, Yeng Tirit, avez-vous pris yes, des photos de ces personnes-là Réponse. Oui, j'ai pris des photos de bien d'autres personnes encore. Si je vois les photos, je pourrais peut-être les reconnaître, même si je ne me souviens pas Question. De toutes ces example, personnes, je les connais. Question. Par exemple, avez-vous des photos de Yeng Sari pendant une réunion pendant une de ses visites en province Réponse. Yeng Sari, mostly when he en was général, Yeng Sari était avec les délégations étrangères, mais il y avait différents photographes. Staff had their à l'époque, on avait, l'état-major avait ses own. Propres photographes, et du côté but de Yeng Sari, on avait, Yeng Sari avait ses propres photographes, mais pour le développement, il y avait des moments où on me demandait de faire ce travail-là. Question. So Question. Did you work as negative Donc, votre film developer travail at the était de développer the aussi hospital? Des photos près de l'hôpital Response, militaire yes. Réponse oui. Question. Question. Do you remember who took Vous the photo qui of faisait, Yen Sari? Qui prenait les photos Response. Pour Yen Sari? It was réponse, je ne m'en souviens 62K, pas, c'était au bureau 62 à qui répondait directement à l'Ankar. C'était une partie du grand bureau, du bureau central 870, et on Question. Avait subdivisé you know ce bureau en plusieurs bureaux, en plusieurs branches. Question. Savez-vous qui était le chef du bureau 870 Réponse. Il s'agissait de Pol Pot. C'était le chef du bureau 870. C'était le chef le plus haut placé dans le pays. Question. Avez-vous photographié Yen Sari par vous-même ou avez-vous développé ses photos Réponse. J'ai principalement développé ses photos. Question. Qu'en est-il de Yeng Tirit? Réponse. Also, but I didn't know her je développais également very des photos well. D'elle. I only knew Son Sen, Pol Pot, Kyo Sampan, and Nguyen Chia. Je connaissais principalement Son Sen, Pol Pot, Kyo Sampan, Nguyen Chia. To remember. Et leurs femmes, Question. Leurs femmes, How je ne pouvais pas les connaître toutes you, parce then? Qu'il y en avait trop. Response. Question. Donc, combien y avait-il de photographes comme vous Réponse. Il y avait six photographes, il y avait six appareils photo pour la prise de photographie, pour le développement. Chaque photographe avait une tâche particulière. Question. Pouvez-vous nous énumérer les noms des photographes qui étaient avec vous Réponse. Quand j'étais près de l'hôpital Monivong, j'étais seul à travailler là. Question. Quand êtes-vous arrivé à S21 Réponse, je ne me souviens pas de la date, mais c'était au début Question, de l'année 77. Question, qui vous y a assigné Réponse, time, à l'époque, Son Sen et Danat were there. Son Sen also, when Nat I went to China, it was Danat and Son Sen who assigned Chine, me to work there. Nat et Son Sen Question, m'a demandé did you know de travailler. Why they sent you Question, savez-vous pourquoi on vous a assigné à travailler à S21
I didn't réponse, know. Je ne but that pas. Was the work of Anka. Mais there were two jobs for photographers at S21. Le travail de one was to take photos of prisoners at S21. And another was to take pictures outside of S21 during free time. Question. While staying near Monivong Hospital, was there any other one question, else besides Pang and Nguyen? Response, no. Pang et Nguyen, y avait-il d'autres personnes? Réponse, non. Question, how many years did you stay near Monivong Hospital before moving question, to S21? Combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital Monivong pendant, I don't remember, avant d'aller à S21? But I know I moved to S21 in early 77. Mais ce n'est qu'au début de 77 que je suis arrivé à S21. Did you work question, near Monivong Hospital? Vous avez travaillé près de l'hôpital Monivong pendant combien de mois? Réponse, environ pendant 3 ou 4 mois. At that time, seulement parce que so it was c'était pendant la saison où le vent soufflait December. Vers le mois de novembre-décembre. Question. Question. Who was your leader after you quand came vous êtes arrivé à S21, which building vous did étiez you stay sous la direction in? De qui et dans quel bâtiment étiez-vous? Response. I stay in a concrete house, which currently je is the Hungarian embassy. Actuellement, l'ambassade de Hongrie, right in front en face of the Ministry du of planning. Ministère au plan. Question. Who else stays with you in that house? Question. Qui partageait respond. Cette maison there avec vous? There were six persons réponse. Living il y avait together, six and all were photographers. Qui vivaient ensemble. Nous question. Étions tous could you please describe daily work at S21? Question. Pouvez-vous décrire une journée response. De travail S21? There was a policy. Réponse. In the morning at 6:30, we arrived at the communal le matin, nous eating hall. À 6h30, nous arrivions à la cantine collective pour manger du bouillon. Et à 7h, nous commencions le travail. Nous prenions des photos des prisonniers arrivés à 11h, nous faisions une pause et à 5h, nous sortions. Mais en dehors de cela, on ne faisait rien. Nous en profitions pour cultiver des choux pour nous-mêmes. Question. Vous dites que le travail principal commençait à 7h. Quelle était la nature de ce travail? Réponse. Nous prenions les photos des prisonniers et au retour, nous développions les négatifs et nous imprimions nous-mêmes les traitions nous-mêmes les photos. Question. À quel moment les prisonniers arrivaient-ils? Réponse. Cela dépendait, mais les photographes s'arrangeaient pour les photographier. Question. Est-ce qu'à l'époque, les prisonniers arrivaient à S21 tous les jours? Question. S'agissant des prisonniers, ils arrivaient presque tous les jours. Question. You said there were six persons in your group. And who was question, the chief? Vous dites que votre groupe comprenait six personnes. Qui en était response. Le chef et quel était at votre rang? Réponse. À l'époque, Sreang était le chef de groupe. Sreang était responsable de deux personnes et moi, j'en commandais deux autres. C'est qu'en tout, il y avait six personnes, mais Sreang était le chef le plus haut placé. Who did you receive orders from? Question. De qui receviez-vous vos ordres? Sonsen, Danat, réponse à l'époque, well. De Sonsen, de Nat, à l'époque, puis il y avait Duc, c'était le chef question, de S21. Question, qui vous donnait directement response, des ordres? Gave the orders réponse, directly. Duc donnait directement and des ordres, et il était there. Responsable de tout ce qui se question. Passait. Do you remember question, what kind of orders Dutch gave you then? Quel type d'ordre Duc vous donnait? His orders were very strict. Réponse, les ordres de Duc étaient and très stricts. I was not allowed to make et a je mistake. N'étais pas autorisé à faire d'erreur. Question. Question. Did you hear Dutch avez-vous use entendu these Duc utiliser ces mots? Response, yes. Réponse, oui. Question. You say question. That if Dutch ordered you to do anything, Duc, you had to do it. Quand Duc donnait des ordres de faire, pour faire made, quelque chose, il fallait s'exécuter. What kind of problem? Si l'on commettait des fautes, vous, si l'on commettait des fautes, vous dites qu'il y avait des problèmes. Mais de quel problème s'agissait-il? Question. Le problème alive. Était simplement une and question de vie ou de mort. Caution. Parce que principalement, c'était, we had to be very cautious c'était une question work, de vie ou de mort. Deuxièmement, il fallait faire anything. Le travail très attentivement. Il ne fallait jamais was commettre d'erreur. Like a threat question. To you? Est-ce que les ordres response. De Duc vous les ressentiez comme étant des menaces? Many of those who réponse. Came from c'était la vérité, Chinang. Effectivement. Pour since ceux qui venaient de Kompong Chnang depuis 1975, beaucoup d'entre eux qui étaient arrivés à S21 most avaient perdu la vie. La majorité d'entre eux who fell asleep qui ont été exécutés étaient des gardiens. Duty.
like parce qu'ils somnolaient pendant la garde. John, for example. John. Another par exemple. Person who was also killed was Strun. Et un autre qui a été exécuté, c'était Strun. His mistake was that he took cabbage smelling of pesticide called avec de landrine, un pesticide, aniline, et qui n'était pas bien lavé quand il a fait la soupe avec des choux. The cabbage was full of that pesticide in order to keep pests away from it. On even though he washed the cabbage after he had picked it in the garden, it still had the pesticide smell on it because it didn't clean. Toujours l'odeur du pesticide parce qu'on avait oublié de nettoyer les choux. On l'a accusé de mettre du poison dans notre alimentation et on l'a emmené, on l'a tué. Question, à votre avis, qui est responsable de tous ces gens? Réponse, c'est Adouk, c'est Douk, parce qu'à S21, plusieurs de mes amis qui étaient venus de mon village natal avaient disparu. Question, sur la base de ce que vous dites, réponse à ma connaissance, oui, c'était sur ces ordres que beaucoup de gens de S21 ont disparu. Quelques 450 membres du personnel de S21, sur 450 membres du personnel de S21, 150 ont disparu. Question, est-ce que le Duc vous donnait des instructions à propos de la photographie? Réponse non, l'essentiel de ces instructions était qu'il ne fallait pas faire d'erreur après la prise de photo, il fallait envoyer les photos, mais j'ai rarement fait des erreurs parce que je faisais très attention. Question, où développiez-vous les négatifs? Réponse, je développais les photos à la maison située devant le ministère, en face du ministère du plan. Question, pouvez-vous décrire les activités de prise de photos depuis l'envoi des prisonniers à l'intérieur jusqu'à l'immatriculation des prisonniers? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu pour consister la procédure? Réponse, par exemple, quand on amenait les prisonniers en voiture, à ce moment-là, les prisonniers avaient les yeux bandés et leurs accompagnateurs les livraient. Where was the place for taking pictures? Response, it was near the entrance of the present door's line, but it was outside the door's line fence. The place for developing negatives was near the Dutch house. Prisoners were photographed before they were sent into the prison. Question, did you know where the prisoners were coming from? Response, I don't know. Question. Did the truck used for transporting prisoners belong to S21? Response. It is difficult to describe it, but the truck bore license plate camions portaient des immatriculations number, which is the sign to the west zone or the northwest zone. Sometimes the truck had no plate, so we didn't know where they came from. Sometimes prisoners were brought in by car. S21 also had its own truck. Questions. Let's talk about the S21 truck. When a truck was sent to pick up prisoners, who went with it? Response. We could not know this. There were many sections. I was the photographer, so I only did my own work. Moi, j'étais photographe et je ne pouvais pas le savoir. Did you ever see Dutch come in the truck carrying prisoners? Dans la voiture ramenant des prisonniers? We didn't observe that. Réponse. Question. Nous n'avons pas remarqué telle chose. When taking a photograph, did they put a tag on a prisoner to make it easier for T to remember? Response. We want to say that each prisoner who was being photographed was given a tag marked with a number. Sometimes they use a name tag, but sometimes they just use a number. Sometimes no number was used. A number assigned to a prisoner was changed from time to time using the date on which that photo was taken. For example, they used the date as the number to be assigned to a prisoner. Question, was there anyone helping you prepare name tags and documents? Response, sometimes I prepared them by myself. No one helped me with that. Question, how could you keep track of all the prisoners? Response, it was not difficult. Because when 100 prisoners arrived, 100 photos would be taken. A number was assigned to each prisoner, for example, letter A for prisoner number 1 and letter B for prisoner number 2 and so on. Question, does it mean that the person who had brought you the prisoners didn't give you a name list? Response, no, they gave the list to T directly. Réponse, non.
on l'a donné à Ti directement. Question. Est-ce que tous les prisonniers, they all have to be photographed? Devaient être photographiés. Most of them were photographed. Réponse. La majorité d'entre eux étaient photographiés. Un très petit nombre d'entre eux n'étaient pas photographiés. Question. Response. Pourquoi pas? Sometimes we réponse. Worked too late at parfois, night and were not able to take any more photos. Sometimes parfois, they sent us to take photos of prisoners in the cell. It cellule, was very rare that a prisoner was not photographed. All of them had to be photographed. Question. Être besides taking photos of prisoners, did you ever question. Take any pictures of the compound of S21? Response, they didn't allow me to enter the prison compound. Question, did you ever take a picture of a prisoner after he or she had been killed? Response, never, but they had a special group under a person named Three, who did that. He was in a special guard unit. He took pictures of people after they died. Il prenait des photos des personnes question, une how fois often mort. Did they take pictures of question. Dead people? Est-ce que la photographie response, de ces it was often, morts, c'est quelque chose after qui se a picture souvent. Of a dead person was question. Taken, souvent. They réponse told us souvent. To print it out and we couldn't tell anyone about that. La chose, question, la chose why secret. Did they take a picture question, of dead people? Photographiait-on response, les morts? As réponse. Far as I know, à they maybe just wanted to make sure that the person was really dead. Through might already morte. Be dead, that Dutch killed him. I know that his birthplace was in Bati district, Takai province, mort, but I don't know the name of the village and commune. Question, who ordered a photographer to take pictures of the dead person? Response, it was Dutch only. Question, why did you assume that? Response, first, maybe the dead person didn't yet answer all the questions. Second, the prisoner was tortured because in the picture we could see blood stains. Suite aux actes de torture parce qu'il y avait question, on pouvait did voir you know sur la photo qu'il y avait des, que le corps response, portait des traces de sang. It was primarily something. Question. I knew savez-vous when qui commandait donc réponse to principalement il s'agissait de political line. D'après la réunion this was based on what I saw with my own eyes principalement or based on what he said when he came to attend the assembly at S21. Besides Sunsane, there was no one else coming to that assembly. Question. In terms of the relation between Dutch and Sunsen, did Dutch ask Sunsen for an order, or did Sunsen give an order to Dutch? Ou est-ce que Sunsen donnait un ordre à Duke? Réponse. Dutch decision and Sunsen's order were alike. They were like a current which ran back and forth. In conclusion, aussi une chose, these two c'était men un petit peu comme un were the où same. Coup dans un sens, puis dans l'autre. En résumé, ces if deux Dutch personnes make étaient report, égales. Sunsen, si Duke Pol Pot, n'avait pas rendu compte, Sunsen, Nongier Pol Pot, Nongier, n'aurait si documents si were n'avait with pas Dutch. Rapporté, n'avait Dutch pas rendu was compte very de important. Sunsen, Pol Pot, Dutch Nongier, was the one n'aurait pu who savoir made ce qui se passait. Tous les documents passant entre les mains de Duke, donc Duke prenait la décision quant à qui devait être tué. C'est lui qui donnait le feu vert à question. Sunsen et à Pol Pot. Did you take pictures question. Of the important prisoners quels sont like les prisonniers Koytun importants que vous avez photographiés tels que Koytun response, et Hunim? I didn't take their pictures. Réponse, je ne Three les ai was pas the one pris who en took photo. Them. The special prisons were concrete buildings which were located outside S21 compound and were used for prisoners of sector level. I never went in there. Question, what was Nongier's role? Question, response, quel était le rôle, he was the president le rôle of the parliament, Nunchia. But réponse, this didn't mean that he didn't know anything. He knew about it because people at the zone and sector levels who had been arrested were very important persons in democratic Kampuchea. Question, regarding the security issue, besides Sunsen, what was Nunchia's role? Quel était le rôle de Nunchia? Response, I don't know, réponse, but Sunsen came to S21 once a week. Une fois par semaine. Question. Question. Had you ever heard any people say what was Nongier's role at S21? Response. Réponse. I heard that Dutch say sending to brother number one or brother number two. I knew that brother number one was Pol Pot and brother number two was Nongier. S21 was the most important security office in the nation.
Sun Sen talked with Dud during the meeting and said that S21 was the soul of the nation. A déclaré que S21 était l'âme de la nation. Nunchia and Pol Pot ne sont jamais venus but à S21. Sun Sen mais Sun Sen regularly. Régulièrement. Question. You said that at S21, besides Dutch, en dehors de Duc, there was Sun Sen who came to S21 almost every week. Did he come regularly until 1979? Réponse. Sun Sen came regularly until the Vietnamese arrived. As far as I know, in 78, S21 received only one or two persons each day. In 77, many prisoners were brought in there. They arrived 24 hours a day. Question. Did you ever take pictures of people of other nationalities? Response, I did once. There were two people of other nationalities brought in from the sea. They were not Vietnamese. I didn't know whether they were French or American. Question, what was the hair color of those two people? Response, I only knew that they were big, had sharp noses and brown hair. À quoi ressemblaient ces personnes? Je savais question, after being taille, photographed, where were they taken to? Des cheveux, response, roux. They had question, hairy chest and beards. Photos, I didn't know where they were taken to. It was ils in 1977. Je ne pas question, do you remember their names? C'était en 77. I don't remember. Vous souvenez-vous de leur question, nom? Réponse, do you non. Remember the question. Name of vous other photographers at S21? Response, one. Srieng, 1, 2, 2, Song, Song, 3, 3, Nit, Nit, 4, 4, Som, Sam, 5, 5, Ri, Ri, 6, myself. 6, c'est moi-même. Do you know if any question. Of them are still alive? Savez-vous response, si certaines personnes, I know that three of us, Ri, Som, and Song, are dead, sont encore but vivantes. I don't know for the réponse, other two. Je sais que trois d'entre elles question, sont mortes, Ri, isn't Sam, it Song, still alive? Où se trouvent les deux autres. Response, question, he was alive when the Vietnamese vivant? Came in. Réponse, those three died after the Vietnamese sont came in. Sont arrivés. Les trois autres question, sont mortes, did you ever take pictures of question, the Phnom Vietnamese? Response, there were pictures of the Vietnamese because at that time the Vietnamese had attacked and came into Cambodia in areas along the border. I am sorry that I have lost all video cassettes of the Vietnamese. The Vietnamese translator at that time was Mong Nai, who is currently living in Malai. Question, were those Vietnamese soldiers in question, uniform when they were brought in? Response, yes. En uniforme? Question, en as for spies who were arrested, how did you know that they were Vietnamese? Question, response, because they spoke Vietnamese. Réponse, parce qu'ils parlaient vietnamien. Question, question, there were stories that Khmer Rouge were dressed in Vietnamese military uniforms. Do you think that was true? Response, no, not réponse, at all. Non, the Khmer Rouge didn't like to fake. Khmer Rouge wanted to only do ils the real ne thing. Voulaient faire que des choses vraies. Question, you said that question. You had a video about Vietnamese soldiers. What type of video was it? Vietnamien. Response, quel genre de film Vietnamese soldiers réponse, whom I captured in Siem Reap after 79. Question, how many Vietnamese soldiers question. Were photographed il en by you? Beaucoup de ces response, que vous avez about 20. Réponse, environ question. 20. Did Dutch question. Ever come est-ce to watch Duke while you were taking photographs? Vous voir travailler? Response, he came, but rarely. Réponse, he also came venait, to see etc. the communal eating. Mais pendant le repas collectif, question, il était présent régulièrement. When Dutch came, question, did he say anything to you? Venait, response, he said that I must be very soit. Careful with my work and réponse, that I shouldn't damage the photos because they are very travail, important for biographies and identification cards. Pour la biographie et les cartes question, d'identité, were there any problems when a photo had been damaged? Question, not y a-t-il clear? Un problème and did you ever photo encounter this problem? Abîmée, response, n'était pas clair, if a photo was damaged, jamais rencontré ce genre de problème? I would réponse, not be spared, abîmée, but dead. Moi, sometimes I took a photo of a person closing eyes.
If that happened, I had to take a photo of that person again. Question, for example, if that photo was defective, who would decide on the arrest of the person who was responsible? Response, Question, Question, why did you say that? And what supports? Question, sur quoi basez-vous what you are cette saying? Affirmation? Response, this was the truth. Those three persons were the decision makers. There was an incident when I printed out Uncle Polpot's picture. At that time, the negative was defective, showing a scar on the eye of the portrait. I and Rhee knew about that defect, so Taho, Takian, and Takdoch telephoned me. I then held a meeting with all photographers and reported to them that the picture of Uncle Number One, which I had printed out, was damaged. Comrade Rhee also knew about that. At that time, Rhee said that he didn't know when Comrade printed that picture. Then they removed me from the group and sent me to a different unit to raise rabbits. Later, Chen, who was Dutch messenger, told me that Dutch once asked Bong about that film. Bong said one film was defective, so they knew that was not my mistake. Then they called me back to work at the old place. Donc il a confirmé cet élément et Chen alive? Lui a dit qu'il y avait un négatif qui comportait un défaut. Whether Chen is still alive or he is dead. Question, was his birthplace in Kampong Chenang also? Chen est-il encore en vie? Response, je ne sais pas. Either in Kampong Chenang or in Kampong Speu. Ces gens, did you see if Chen was still alive when the Vietnamese came in? Response, yes. Question, did you take that picture again? Question, and where? Response, I took it again immediately when I found out that the eyes were closed. Question, did you ever go to take pictures at Preso? Response, I used to go to Preso, but Preso was not a prison. It was a place for re-education. And Huisrai was the chief at Preso. Question, what number did they use for Preso? Response, I forget. Question, you said that Preso was not a place to keep prisoners. So why did you go to take pictures there? Response, to take photos for making biographies. Preso also belonged to the general staff. Preso appartenait aussi question, à l'état-major. Were the photos from Preso ever shown at S21? Les photos de Preso ont-elles été conservées présentées à S21? Question, réponse, was non jamais. There another Chan working with Mom Nai? Response, réponse, no, there was non. Only one Chan. Il n'y avait qu'un seul Chan. He had a skin disease ce Chan avait une called sorte pumpkin de maladie leprosy. Dermatologique break from interviewing witness at 12 o'clock noon on the same date. Resume interviewing witness at 1:30 in the afternoon on the same date. 13h40, le même jour. Question. Who was the leader of Tools Line? Qui était le directeur what de Tools Line? Was his rank and role? Response. The biggest leader réponse, was Dadoch. La personne la plus he was in charge était of general operations. Le directeur général was the deputy chief in charge of military affairs. And Tachan was the member in charge of translation. He was called S21 committee. Ça le comité question. De was Hoisrai a member of S21? Response, no. Réponse, non. Question, who really question. Controlled your unit and dans who gave direct orders to the photography unit? Qui commandait directement l'unité response. De réponse. It was under the direct control of the three et men mentioned above, but Chan was directly in charge. Chan était, on était le responsable question. Direct. Question, did you communicate with Dutch directly? Étiez-vous directement en prise response. Avec Duke? Yes. I used to do it when he called réponse, me to oui. Take photos of his family and party. Question, sa famille, par how did Chan give question, orders? Quel était le problème de quelle manière Chan donnait-il ses ordres? Response, as mentioned réponse, before, his orders were strict. Il donnait des ordres de manière stricte.
Question. Question. Sometimes you went to take photos outside. How often did you do it? And what kinds of photos did you take? Vous le faisiez souvent? Response, not often. Just once or twice a month. Réponse, pas souvent. Like when the Chinese delegation visited the oil refinery, industrial facilities, collective farms, Angkor Wat, and irrigation systems. Sometimes they called me to take pictures of the top leadership. Parfois, on m'appelait pour photographier les hauts dirigeants. Do you remember the times you took those photos? Response, as I already said this morning, I went with the delegation and Angkor Noon when we visited cooperatives. There were six photographers in my group and we made rotations. Quand ils sont does venus, it mean that Nunchi and senior leadership dans mon made field visits? Parfois, nous faisions response, un roulement. They did it question, together, but sometimes there were more people and sometimes less. Réponse, I am not sure. Il y avait plus ou question, moins de personnes qui what were the conditions of the population that you saw during field visits? Pendant ces visites, pouviez-vous voir dans quelles response, conditions vivait la population? There was enough food réponse, to eat when we met sector committees. Lors de but la réunion after avec le comité 79, du secteur, mais après 79, j'ai entendu parler de famine. Question. Question. At S21, did you ever see the interrogating prisoners? Response. En I saw him doing it once in 77 réponse, when prisoners une were fois brought lors de in. De 77, since I know he wanted to get confessions to send to Ankara. Question. How many times did you witness that? Question. Combien de fois avez-vous vu cela de vos propres yeux? At that time, he came by a motorcycle. Il est venu I was riding a bicycle and saw him beating up a prisoner in front of doors lying. My workplace was also in that same area, so I saw it. Tabasser le prisonnier devant question, what kind of house comme was le lieu de mon travail se in which section was it located? Question, où se trouvait response, la maison et de quel côté? Réponse, il s'agissait d'une maison recouverte question, de suites située au sud. Question, response, est-ce qu'il y a la maison I don't remember. Réponse, at that time, pas. I could see the interrogations because the door was open and the interrogation took place on the ground floor. Question, did you see any water jars in the house? Response, I don't know. Question, what did he do during the interrogation? Réponse, je ne sais response, pas. Question, he tortured prisoners by beating them up with a rattan stick. Question, did you stop your mic there to watch or just ride by and question, saw vous it? Vous pour regarder, response, ou est-ce que vous I rode by and saw it. En passant. Réponse, question, je l'ai vu what en about the seulement. Kitchen worker named Srun? Response, as I was walked in, Srun asked me to help him while he was being taken out for interrogation. Question, what happened to the prisoners after the interrogation? Response, those prisoners would rarely return. We saw with our own eyes tracks coming to take prisoners away to be smashed because my place was near the prisoners' place. Mais je ne but sais pas I don't know where they took the prisoners to be près de l'endroit killed. Où se trouvaient les prisonniers. Ce n'est qu'en 95 après la réintégration que j'ai vu ce qui se passait à it was ce qui in 1995 after the Khmer Rouge troops surrendered and joined the Royal Army that we saw the graves in June 8. C'est après la réintégration question, des troupes dans l'armée royale que j'ai vu que je me suis rendu à three how to take photographs. Question, well, question, est-ce was que there le any paramédic at S21? Réponse, there was one name, question, Paul, S21, but he was also infirmier. Killed. Réponse, oui, il s'appelait Paul, mais celui-ci question, a while you were staying near Monivong Hospital, aussi. Did you ever see S21 staff draw blood from prisoners to give to the hospital? Prélever le sang response, de I never saw that. Qu'on question, qu'on did Dutch ever arrest and réponse, imprison any photographers cela, from your group? Question, parmi les photographes response, de votre groupe, il y en a-t-il never. Que deux qui a arrêté et emprisonné? Question, emprisonné. Réponse, as you non. Described, question, who in your group is now dead? Les noms de ceux qui, dans votre groupe, sont response, morts?
Those who came along présent. With me in 75 were Srun, the cook, and John, the guard. Srun was arrested in 77 because he had been accused of attempting to poison the community. Dutch was the one who ordered that arrest. I knew about the killing of these two persons because they were from my hometown. Question. You said that the committee of S21 was composed of Dutch, Paul, and John. Did these three persons get along well? Response, they got along well because leadership decisions could not be made by Dutch alone. They had to first hold a meeting. Question, was it for special matters only? Response, like my case, it was a special one. Question, after these three persons had made a decision, who was then supposed to give an order? Question. Response, they gave orders in writing signed by the Deutsch and Sonsen to various sections for implementation. There were 10,000 who died at S21. Dans laquelle il y avait donc une signature de Doug et cette décision est transmise à Saint-Sennès 21. Jan, Doug and Paul hadn't made any decision on that, these deaths would not have occurred. Il n'y aurait pas eu un tel nombre de morts. Question. At that time, question. Did you know the specific role of Sonsen? Connaissiez-vous le rôle exact, spécifique de I knew at that time that he was the Minister of National Defense in charge of security. En charge de la sécurité. Question. You knew question. Pang and Nguyen, so did you ever meet with them again? Donc, les response, jamais I met with them when they came to pick up documents for Pol Pot. Je les ai rencontrés lorsqu'ils sont venus prendre les documents pour Pol Pot. Question, what kind of question. Documents? De quel response. Type de documents s'agissait-il? Those documents réponse, were biographies and documents, confessions. I knew about this matter very well. They usually came with a jeep. Ce qui se passait, il venait en jeep. Pang died later in 1978 in Phnom Penh. En 78, en question. Nguyen and Pang à quel endroit Nguyen et Pang documents from? Response, they came to that Dutch house located on the opposite side of the Ministry of Planning, which is currently the Hungarian embassy. My house was also near that place. Ma maison se trouvait à côté. Question, did you ever go into that Dutch house and did you ever Generally speaking, there were about 10 interrogation places located all over that area in many blocks. Some blocks were closed to keep people from entering. Certains blocs étaient question, interdits were d'accès. There any other city messengers question, besides à part Pang and Nguyen? Y avait-il d'autres messagers de la response, ville? I never réponse, saw any other je n'en persons. Ai pas vu d'autres. Question. Question. Do you still remember the face of those two persons? De ces deux personnes, response, à quoi ressemble? I réponse, don't remember. Je ne m'en souviens pas. Question. How question. Long were you at S21? Pendant combien de temps êtes-vous resté à S21? Response, until the Vietnamese came in. After I returned back to work there for about 6 months, which was in mid-78, they assigned me to a different work. My new work there was to draw maps of the battlefields with the Vietnamese. I didn't take any photographs anymore after that. Question, during the last period of the regime, did you ever see them bring in more prisoners? Response, they still brought some in, but very few. Réponse, question, did you know at that time if there were any prisoners brought through S21 who were killed without having been interrogated? Response, I don't know. Interrogé. Réponse, question, do you know if there were prisoners left over? S'il y avait des prisonniers response, qui I don't know. Là. S'il restait des prisonniers. Question. Shortly before the 7th of January 1979, did you see any senior leaders arrive at S21? Response, Sonsen called up a meeting there. They told us to prepare ourselves to dig trenches.
Sun Sen ordered us to draw maps. At that time, the Vietnamese already had arrived in Krachet. Question, how did you find out that the Vietnamese arrived in this and that place? Response, our frontline commanders reported to Sun Sen, and then Sun Sen told us about it. Réponse, le comité de commandement de tous les fronts fournissait cette information. Sun Sen était venu en personne. Mon groupe était composé de 12 personnes, dont 3 photographes. Question, did Sun Sen come to hold a meeting with our S-21 tout le personnel de S-21 à cette réunion? Réponse, yes. Oui. He held a meeting with all S-21 personnel and instructed us to prepare for an attack against the Vietnamese army. Question. At that time, on the 1st of January 1979, did they say anything about what to do with the prisoners of S-21? Response. I only knew that what happened there in 1977, but knew nothing about that later. All S-21 forces escaped through Duol Thong Phong, the Chinese embassy, and Con Tut with Deutsch Chen. These forces were dispersed in because there were tanks stationed in there. I joined the forces that went to Kampong Speu. Question, where did Deutsch go then? Response, I don't know. I was separated from him in February 1979 in Thmor Anlong Chay and never heard of him at all since then. Question, during that time, did you know if they kept any prisoners from doing various tasks? Response, I don't know. Question, was Tanat a prisoner or a painter? Response, he was a prisoner. Réponse, il était, c'était un prisonnier. One copy of the written record was provided to this witness. A été remis au témoin. The hearing of the statement was concluded at 4 o'clock and 12 minutes on the same date. Witness has provided us 3 photographs and textbook which he used during his study in China about the techniques for taking photographs. After reading the statement out loud, the witness had no objections and agreed to sign and place his thumbprint. De témoin the President, after having heard après avoir the reading of the statement of Niem Ain by the greffier, dont le greffier vient de donner lecture. The statement made by the Office of Co-Investigating Judges, do the prosecutors wish to make any observation in relation to their statement? The prosecutor, Mr. President, the co-prosecutors do not have any objection to the statement by Niem Ain. The President, the civil party lawyers, would you wish to make any observations in relation to the content of the statement made by Niem Ain and read out by the greffier? No observations. Thank you. The President, the Defense Counsel, would you wish to make any observations in relation to the read out aloud statement? Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement, l'accusé aura quelques observations. Permettez-moi tout de même, à la place qui est la nôtre, de dire que notre processus judiciaire mérite mieux que ce genre de déclaration, de témoignage. Et je ne comprends toujours pas comment les coprocureurs ont pu mettre ce témoin sur leur liste. Et je remercie la Chambre de nous avoir dispensé de perdre des heures à entendre ce monsieur dont nous savons depuis qu'il a cherché à mettre aux enchères, disait-il, les sandales de Pol Pot pour $500,000. Ce monsieur a fait illusion pendant des années
auprès de certains journalistes, voire de certains chercheurs, je pense qu'il ne mérite pas d'autres commentaires. The president. Look, François Roux, some look which I'm not yet. Could you please state your comments again in relation to the Nam N statement? Nam N is at the position. Some change, look, sorry, Jacram. Judge Silver Cartwright, you take the floor, said the President. Thank you, Mr. President. I would simply like confirmation from the defense that they have no objection to the statement, acknowledging, of course, that the accused wishes to make observations about it. Are you able to make that commitment? So that we fully understand you have no challenge to the statement. You do not wish this witness to be brought before the court. Nous ne demandons pas la comparution de ce témoin qui nous ferait perdre beaucoup de temps. Nous ne nous opposons pas à ce que cette déposition soit versée au débat, mais nous la contestons fermement. We just noted that the co-prosecutor was on his feet and would wish to address the court. To take the floor. Your Honours, the objection that I had was indeed asked by Her Honour Judge Cartwright, so I have no objection, except to the point that my learned friend may state that he doesn't wish to challenge the credibility of this witness at this stage. Otherwise, we have to call that witness. My learned friend has already admitted that he doesn't want to call this witness. So we shall argue this matter and the weight to be placed at the time of final arguments. So that's my limited submission. Que la valeur de ce témoignage sera évoquée lors des plaidoiries finales. The President, Mr. François Roux, you take the floor. Soyons très clairs. Mr. Roux, la défense conteste totalement la crédibilité du témoin sur le fond. Mais la défense ne s'oppose pas à ce que la déclaration soit versée au débat et que nous en discutions pendant les arguments finaux. Mais bien entendu, nous contestons la crédibilité de ce témoin, bien sûr. Et l'accusé va s'en expliquer. President, the chamber would like to now give the opportunity to the accused to make his observation in relation to the contents of the statement made by Nam N before the court investigating judges and has already been read out by the greffier of the chamber. The floor is yours. The accused, Mr. President.
The testimony of Nguyen Ain could be divided into two, according to me. First, the testimony in relation to his photography work at S21. There were some shortcomings, but however, the whole content is accurate. Sa disposition est exacte. And number two, he talked about his life story that he went to China. It was a fabricated situation. The truth is that in 1976, Pol Pot sent his nephew to study photography in China. Comrade Teng was sent to China. Nguyen Ain was not part in that mission. Il ne faisait pas partie du voyage. Nguyen Ain was the son of a staff at S21, and he was not allowed to take any photograph outside. The chief was Kum Srien. The chief of the photographers, then followed by Comrade Song, who took photographs at Preysor. He gave interviews to some local media, and before I was arrested and detained by the Cambodian military court, I read the interviews of Comrade Song in those newspaper articles. Regarding Comrade Sri worked at the special unit who took photographs of the important people who were killed, including Won Wet, Nat, Chai Kum Ho, for example. And Nguyen Ain was too proud. He said he studied in China for 6 months and then he could be skillful in taking photographs and filming and others. So I can conclude that there is only little shortcomings in his testimony. It is wrong that he said he took photographs of my family and my wife. I actually got my own camera that I made use to take good pictures of my whole family without Nguyen Ain. But Eleni, go. The president, it is now a convenient time to take adjournment. The chamber will take the adjournment now and resume the session tomorrow at 9 a.m. du matin. During tomorrow's session, the chamber is going demain, to à l'audience, la chambre hear another va witness, entendre un autre KW22. And we would like to notify and clarify for the parties again that je répète à l'intention des parties, this is the witness to be heard tomorrow. Que tel est le témoin the security personnel are now instructed to take the accused to the detention facility and bring him in tomorrow by 9 a.m. Le greffier, all rise.